Gros investissement pour le Dojo. Super calculateur Dojo à New York, 500 millions de dollars. Tesla s'apprête à investir plus de 500 millions de dollars dans la construction d'un super calculateur Dojo dans sa gigafactory de New York. Vendredi, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a tenu une audience sur les développements économiques dans l'État, annonçant officiellement que Tesla prévoyait de construire son prochain super calculateur Dojo dans la gigafactory Buffalo. Hochul a déclaré que le projet représenterait un investissement de 1 demi-milliard de dollars, 500 millions de dollars. Je suis également fier d'annoncer que Tesla investit 500 millions pour construire son prochain supercalculateur ici même à Buffalo. Le PDG Tesla, Elon Musk, a ensuite confirmé le projet de construire le cluster de calcul intensif sur X, tout en précisant que le montant de 500 millions ne représentait que pour un système Nvidia plus petit. Ajoute que les enjeux pour être un acteur compétitif dans l'IA représentaient au moins plusieurs milliards de dollars par an. Actuellement, le Giga de New York a construit les panneaux solaires, le toit solaire et les composants électriques de ses superchargeurs, tandis que le site dispose également d'un certain nombre d'employés dédiés à l'analyse des données du pilote automatique. Oui, d'où le supercalculateur là-bas, quoi. Elle n'a pas fourni de calendrier sur les plans d'installation, bien que le gouverneur de New York ait également détaillé 275 millions de dollars de financement provenant d'une subvention d'État, ainsi que plus de 400 millions de dollars de financement public et privé, tous destinés au programme Empire AI. En outre, Hochul affirme que le marché mondial de l'IA atteint une valeur totale d'environ 150 milliards de dollars, même si il devrait atteindre 1,3 billion de dollars dans quelques années seulement. Voilà. Bon, bah, Tesla, vraiment, ça va miser gros sur l'IA, je pense. Et avec XAI aussi, de toute façon. Donc, Tesla, Elon Musk, il croit beaucoup en l'IA. En même temps, il a construit un robot qui est censé être automatisé et faire des tâches, remplir des tâches tout seul grâce à l'IA aussi. Donc bon, ça reste logique qu'il mise beaucoup dessus, quoi. Et puis pour l'autopilote, le FSD et compagnie, ça sera important aussi. Voilà pour ça, je laisse commenter.